Donc, on se. Enfin, pour moi, je vous retrouve. Je vais vous mettre un petit extrait de pourquoi je vous retrouve. Bon, vous allez comprendre après le petit extrait que je vous mets maintenant. Oh! Ah, bah j'ai encore crevé. Non, non, oh, oh! Et oh, oh! Je crois que j'ai crashé la voiture là. Donc voilà, je vais pas. Je me casse pas la tête avec les portes. Avec les gens plutôt. Parce que en gros j'ai eu un bug. En gros ma voiture est tombée dans le fossé. Si vous aviez pas compris. Et. Donc voilà, donc c'est pour ça que mon coffre est plein, bien sûr. Et ma voiture est propre par rapport au dernier épisode. Hop, hop, tac. Et hop, on reprend la manette. On va aller vendre les quelques objets. Ouch, ouch. Comment ça? Ouch, ouch. Ouch, mais comment ça, ouch? Si allez, on va faire le plein. Hop. Tac, tac, on va faire le plein, on va réparer la voiture. Ok. Ouais. C'est tout bon. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaît. Le petit extrait que je vous aurais mis vous a plu. Moi perso ça m'a pas vraiment plu, personnellement parlant. Mais bon, on va dire que c'était quand même dommage. On va dire. Parce que j'avais fait quand même une bonne vidéo. Et le fait que la voiture glisse comme ça et se foute dans le fossé, c'était un peu dommage. J'ai essayé de la sortir mais sans succès. Donc j'ai dit allez on recommence. Et voilà. J'ai pas pu faire grand chose de plus. Donc on va vider le coffre. Parce que bon. J'allais pas laisser tout ce que j'avais dans le coffre. Parce que j'ai quand même eu pas mal de loot. Pas mal de petits trucs. Parce qu'en gros il y a une barrière en fait. Qui était invisible. Dans le jeu en fait. Et je pouvais traverser. Enfin, elle était visible mais. Comment vous dire. Je pouvais passer à travers en fait. Et la voiture aussi. Et donc vu que la voiture a passé à travers et qu'il pleuvait, ben j'ai glissé à travers la barrière et la voiture a continué à glisser dans le trou, dans les fossés, et hop, voilà, voilà. En gros c'est un truc tout con, hein, mais voilà, arrêtons d'en parler et continuons, essayons de continuer sur là-dessus quoi, enfin, comme ça on pourra peut-être être mieux que tout à l'heure, voilà. Je vais éviter peut-être de prendre un endroit avec de la pluie et prendre un court trajet pour éviter de faire trop long pour moi pour monter tout ça. Mais arrête de les remettre tête de... Putain, oh, c'est pas possible, il est con quoi ce perso. Donc on est à 50 balles, à 50 comment on appelle ça, marque, voilà. Tac tac. Ouais, bon. Moi c'est vrai que c'est un peu dommage quand même. Le fait que j'ai pas pu garder la partie tout à l'heure. On va dire que c'était un petit bug. Après c'est
un jeu qui est censé être fini, mais bon. C'est un jeu qui est censé être fini, mais un peu comme beaucoup de jeux finis, il n'est pas fini, voilà. C'est que ça fait un... Moi, depuis que je l'ai, j'ai jamais vu de mise à jour, mais bon. C'est un bon jeu, hein. Moi j'adore le principe, mais bon, après il y a encore quelques bugs, c'est normal. Alors, moi perso, il y a peut-être moins de bugs dans ce jeu-là que sur Far Cry, personnellement. Même si sur Far Cry... c'est plus un open world que ça, mais bon... que Jalopy. Tac, donc on va aller vendre la dernière saucisse. C'est vrai que je sais qu'on peut prendre les bacs, mais c'est chiant à mettre dedans et tout. Donc voilà. Hop, on va... Allez. Mettre de l'essence, mettre de l'huile, réparer moteur et tout le bordel. Hop. Donc on a quand même consommé... Ah, j'ai consommé 10 litres quand même tout à l'heure. Tac, donc il n'y a aucun mélange de carburant, c'est ça? Donc il va me falloir 2 dosettes d'huile. Mais putain, mais oh, j'ai... Oh, c'est pas possible, quoi. J'étais vraiment sur le truc, hein. Voilà. Comme ça, hop. Attendez, je vais faire ça comme ça. Hop, on va aller revendre ça. Normalement, les deux routes derrière sont neuves. Faudrait que je regarde après. Mais... Ah si, je croyais que je l'avais pas pris. Ah, j'ai cru que j'avais moins 1000, j'ai fait mais what the fuck? Je suis riche? Mais en fait non. Donc on va réparer tout ce qu'on peut réparer. Tac. Et après on va partir. Là on est bien hein, à 60% de charge. Hop, allez. Ah, merde. Voilà, nickel. Ouais, j'ai compris, je suis au courant. Hop, allez, on stay la queen. Et on va, cette fois-ci, à Dubrovnik. J'espère que cette fois-ci je vais pas me vautrer bien sûr. Bon, je sais que c'était un CD le passage que je n'ai pas respecté. Mais en fait moi à la base, en fait cette route, je voulais pas la prendre comme ça en fait. Enfin, en gros je pensais que c'était... Mais c'est vrai que je la connais mais... C'est de l'alcool qu'on n'a pas le droit. Ici, hop, j'ai tout vendu de toute façon. Hop, donc papier s'il vous plaît. Hop. Voyons voir. De toute façon, il n'y a rien à dire, j'ai rien à déclarer donc. Vu que j'ai tout vendu tout à l'heure. Tout semble en ordre. Allez, rends-moi mes papelards. On style la queen. Ah merde, c'est vrai, faut que je choisisse mon... Mon voyage. On va se prendre un petit voyage 210. Ah non,
Allez, 350. Tac. Allez, hop, hop. Par contre, j'ai dû mettre un petit coup dans le micro. Ça a dû s'entendre, je pense. Allez, hop. On est parti. On entend les vagues. Mais non, on devrait pas trop... Bah, je sais pas, en fait. What? C'est moi où on a l'impression d'être dans l'eau, carrément, là. Donc en plus, là, dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, j'ai crevé deux fois. Donc bon, il y en a une, j'ai utilisé un kit de anti-crevaison et l'autre, j'ai changé carrément la roue. Mais en gros, j'ai pas fait un gros voyage, on va dire. Donc c'est à peu près le même nombre de kilomètres que j'ai pris tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, oh mince, et que j'ai oublié à quel point, oui, what, le son s'est augmenté dans mon oreille en tout cas. Ah, et un coffre là déjà. Ah non, pourtant non. Ah mais c'est toi qui as ouvert la fenêtre. Ah bah putain. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'entendais ça fort. Oh, une bouteille d'eau. Oh, on est riche les amis. Ah non merde. Parce qu'en gros, une bouteille à 100 balles, c'est déjà bien. Donc là, normalement, la route est censée être parfaite. En gros, il n'y a pas de nid de poule, il n'y a rien. En fait, c'est une route qui est censée être nickel. Donc, voilà. Allez, t'es censé pouvoir grimper ça. Peut-être que je change quand même à changer de moteur, hein, même si je pense que ça va pas changer des masses, mais faudrait que je change quand même. En sachant que aussi dans l'épisode, dans la vidéo que j'ai faite juste avant, mais que je me suis foiré, moi que je me suis foiré, je sais pas pourquoi je suis passé à travers les barrières en fait qu'il y a sur la droite là, et pas un... Ah bah on est déjà à la station service. Parlant du temps, je suis certain que tu sais comment affecte le véhicule, comment cela affecte le véhicule. Oui, avec une pluie forte, oui, petit des pneus pluie, oui. Ouch, mais arrête de dire ouch, je suis resté sur la route. Attendez, ouais, si, allez, on va lui vendre la bouteille, c'est tout. Pour longtemps, hop hop hop. Par contre, j'ai pu prendre mon portefeuille aussi. Hop. En fait, le truc, c'est que j'essaye quand même d'éviter de me casser les pieds. Hop. Hop. Allez, 240. Tchou, lancer de... Lancer de portefeuille, voilà. Putain. Ouh, les mots, quand ils veulent pas sortir, ils sortent pas, hein.
Allez, en avant toute. Par contre, on n'a pas trouvé grand-chose hormis la bouteille depuis le début. Bon, c'est pas... Ah, j'ai crevé. Je sais pas d'où, mais j'ai crevé. Donc, pas de ce côté-là, déjà. C'est la roue que j'avais tout à l'heure. Ah non, c'est celle-là qui a crevé. Donc, hop. Voilà. Non, je vais la réparer. Je vais la réparer. Hop. Comme ça, ça me débarrasse de cette merde. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, j'ai plus de trucs pour réparer les roues. Et ça m'arrange. Allez, hop, en avant. Bon, ça va pas durer parce que c'est des réparations, c'est pas des pneus de secours, etc., etc. Bon, vous comprenez. Ça, j'espère. Oh 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 oh. J'ai dû faire attention d'avoir des caisses et tout, mais bon. Comme tout à l'heure, j'ai eu plus de loot que ça quand même. Bon, plus de loot, mais pas de bonne valeur comme ce. Parce que je crois que j'en ai eu pour 70 euros tout à l'heure à l'éternet. Donc là à peu près. Là j'en ai eu à peu près pour équivalent en fait. Alors que j'ai fait à peu près le même stop. Ouais, si, c'est à peu près équivalent, mais... En gros, j'ai eu plus... Ouais, c'est pas de tricher en conduisant avec des... Mais non, je ne triche pas. Je conduis toujours avec des pneus normaux. Tonton, en plus, il dit encore la même chose. J'ai quand même... Bon, j'ai eu en voiture. Pas me casser la tête. Ouh, tu fais attention. Ouais. Toujours, je fais toujours attention. Bon, y a rien. On fait demi-tour. J'ai crevé encore. Oh fuck. Voilà, bon. Bon, ben on va changer la roue encore. Je sais pas laquelle c'est, mais je pense que c'est de l'autre côté ou... Ah non, elles sont bonnes. Ah quoi que non, elle a crevé celle-là aussi. Celle-là, elle est encore bonne, donc ça doit être celle-là qui a dû crever. Oh fuck. Sur 3 et c'est moi qui ai fumé ou il y a 4 sur 3 4 sur 3 ok. Pourquoi j'ai refermé la porte derrière moi, j'en sais rien. Allez, on est reparti. Il nous reste à peu près 100 km, 150 km je pense. Hop. Avant d'arriver à Dubrovnik. Bon, c'est vrai que c'est la deuxième, la première... Bon. C'est la combienième celle-là? La deuxième, troisième? Bon, bah c'est celle de devant cette fois. Ah, celle-là, c'est les abîmés. Je croyais que les abîmés, je les mettais en haut. Bon bah tant pis. Mais je crois qu'il me reste plus qu'une roue que j'ai pas encore changée. Ouais. Je crois. C'est quoi l'autre? Une 3. Ah non, donc. Ouais, c'est bizarre. J'aimerais bien avoir une épave pour pouvoir. Une ou plusieurs épaves pour pouvoir refaire les stocks de pneus.
Ah, le soir arrive, on entend les grillons. Donc, ah oui, je vous en ai pas parlé dans cette vidéo. Que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Que ce matin, en fait, j'ai vu que. Bon, donc c'est fait pour la semaine dernière pour vous. Que. Il y a eu une mise à jour. Ben, ils ont fait une mise à jour sur Windows 10, en fait. Qui permet de séparer. Eh bien, je sais que la pluie peut rendre mélancolique et qu'elle réduit la visibilité de traction. Ok. Voilà. Donc Windows 10 a fait une mise à jour et maintenant on peut séparer les pistes. Par exemple, si je veux, je peux écouter le son de Google Chrome, de mon navigateur, sur mon casque et le son de Spotify par exemple, de l'application Spotify, de l'ordinateur, dans mes enceintes par exemple, ou quoi que ce soit comme ça en fait, ou regarder un film sur mon mais elle a aussi des avantages, par exemple la voiture, ça là, finira, oui, c'est la même chose que ce que j'ai écouté tout à l'heure. Là, tu m'as dit tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, en gros, par exemple, on peut écouter un film sur un haut-parleur, par exemple, et écouter de la musique dans des casques, dans un casque ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Dans un autre périphérique. Et c'est vraiment cool cette mise à jour. Moi, ça faisait un moment en fait que je cherchais un logiciel pour faire ça, justement, pour pouvoir séparer Google de tout le reste en fait. Pas forcément pour certaines, enfin, des choses qui sont un peu connes en fait, mais plutôt pour des choses plutôt intéressantes. Il n'y a rien du tout. Allez, on dégage. Donc voilà, mais en clair, moi cette mise à jour m'a vraiment. J'étais vraiment un peu comme un enfant qui découvre un cadeau de Noël, quoi, en gros. Après, c'était peut-être le cas avant, mais je l'avais jamais vu, donc je pense que c'était pas le cas avant. C'est pour ça que, voilà. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui l'ai pas trouvé, hein, mais. Je pense pas, personnellement. Après, on a le droit de penser des choses, hein, mais. Je pense quand même que je l'aurais remarqué ce genre de truc-là. Et puis surtout que, en gros, la première chose que j'ai regardée, en fait, quand ils ont fini la mise à jour, c'est si tout est. Ah, ça y a du brownie qui est droit devant, voilà. Ouais. On va au motel, de toute façon on n'a rien. Alors. On va peut-être aller acheter deux petits pneus. Parce que déjà j'ai une roue qui va peut-être crever au prochain truc. Donc on va faire ça. Hein. Hop. Dubrovnik, où es-tu? Bah tu es là, mais. Le magasin, où es-tu? J'ai rien vu, je sais pas ce qu'il y a d'interdit au prochain. C'est dur. J'espère que c'est là-haut parce que si ça se peut, j'ai peut-être loupé un truc en bas, mais je me rappelle pas d'avoir loupé quelque chose en bas. Déjà, il y a le magasin ici. Bah, tout ce qu'il me faut en fait, c'est le magasin et le motel, mais. Le son de Discord derrière, il y a le machin de réparation. Donc si ça se peut, je l'ai laissé en bas. Tant pis, je l'ai perdu en bas en fait. Je vais récupérer deux pneus ici. Et c'est pour ça que je prends le portefeuille pour éviter de me rester coincé dedans. Hop, donc on va prendre deux pneus de route histoire d'être sûr. Merde. Merde, mais je m'en fous de toi. Je veux pas des pneus tout terrain, moi je veux des pneus normaux.
Des pneus route, voilà, parfait. 25. Hop, 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 voilà. Donc là, on est à du Dubrovnik, donc je pense qu'on est à peu près à la moitié, même pas de... Ah oui, il y en a un, c'est un tiers 2, et l'autre, c'est un tiers 1. Donc là, il manque plus que celle-là, je crois, qui est abîmée, non? Ah, mais il m'en reste encore une, en fait, de roue. Je pensais pas qu'il m'en resterait encore. C'est pour ça que... Et encore... Ah non, 1. Elle est à 4 sur 3. Elle, elle est à 2 sur 3. Et elle à 2 sur 3. Donc j'en ai 3 à 2 sur 3 et une à 4. Ou à 2, ou... Ouais. En gros, c'est... Bah non, j'ai... Ouais, il me semblait que j'avais plus de roues, en fait. C'est pour ça. Enfin, bref. On va aller chercher le motel. Et après, on va lire le truc du tonton. Et après, on va se tailler la couenne. Ah, maintenant, il est là aussi, le motel. Bah, je l'ai pas vu. Par contre, faut faire attention à lui. Hop, voilà. Parce que malgré que le jeu soit un peu simpliste, il y a quand même des amendes. Surtout pour les feux, en fait. Un crank pour les feux d'ailleurs, mais bon. Voilà. Allez. Hop. Parfait. Oh, ok, on a juste assez à le frein à main et c'est bon, c'est parfait, c'est nickel. Voilà. Donc on va... personnellement, moi je vais hop, aller récupérer le portefeuille. Aller racketter les voisins. Allez-vous-en. Ah. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de payer, surtout, c'est ça, le truc. Alors déjà on sera pas en bas, on va être en haut pour commencer. Hop, on sera pas ici déjà, on sera pas au 2B, 2A, ni au 2B d'ailleurs. Ah peut-être si au 2B ou au 2C. 2B ou 2C, faites vos paris, c'est parti. 2B ou 2C. Alors, paf, allez. 2C, allez hop. Ah merde, j'ai oublié de prendre du dégrippant pour le tonton là. Ça couine hein. Il va finir par serrer. Hein. C'est une blagounette. Faut pas prendre ça au premier degré. Quoique. Moi une chose est sûre, c'est que le tonton quand on l'entend... On l'entend quoi. On l'entend arriver. Utilise le lit si tu veux te... quand tu veux te coucher. On se revoit demain. Allez, fais dodo, couche-toi. Quoi? T'as une serrure sur ton attaché case? Berlin, 12 juillet 77. Donc encore un comment ça s'appelle? Un truc, ah celui-là il est un peu censuré. L'autre fille, tu ne peux pas imaginer la joie que j'ai ressentie quand j'ai reçu ta lettre après toutes ces années loin de nous, de vous. Sans même un indice sur ce qui était devenu, nous avions presque perdu espoir d'avoir des nouvelles de toi et de notre petit ange. Hassan et moi avons pleuré de joie sachant que notre enfant était en sécurité et en bonne santé avec toi. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Vous connaissant, nous connaissons une personne qui peut nous ramener à l'ouest. Chaque peu avant, une camionnette stationnera sur peinte avec les inscriptions. Il te suffit de dire
pour et ils s'occuperont du reste. Garde bien en tête que garde bien en tête, détruis la lettre et reviens nous en toute sécurité avec notre bébé. Mon cœur souffre pour mon petit et pour toi, Lutfi. Gluten, donc c'est ma mère, je suppose. Hein. Merde, c'est censé. Ouais. Bon, donc voilà, lire c'est un peu une corvée, bon moi-même, bon, c'est pas grave. Hop, donc on est arrivé à Dubrovnik, donc en Croatie, ex-Yougoslavie, etc. etc. Bon, on va pas se dire la suite. Hein. Ok. Le jeu ne supporte pas que je sois. Que je regarde le lit en fait. Le clignotement du lit fait bugger les FPS. En gros, là, je tourne à 40 FPS. Alors que si je regarde ici, je tourne à 100 FPS. Bon, c'est pas le problème. Donc, on va se quitter ici. Moi, j'ai franchement adoré faire cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Je vous dis ciao, ciao.